Bon, remarquez-moi qu'on a dit, c'est que toute sa journée, le Moïse a posé comme action aujourd'hui. Pour nous-mêmes, il va garder Haïti, il va garder le pays. Et de la mesure où la société de toutes ses composantes, que c'est une capture politique, que c'est une société civile, ou l'église, protestant, vaudouisant, artiste, il a déjà prouvé que pays a demandé Jovenel pour le démissionner. C'est-à-dire, Jovenel Moïse, toute action qu'il a posée, pas gardé nous, ni tout près, ni de loin. D'ailleurs, l'organe chef d'État, en tout cas, entre guillemets, sur 27 700 km² dans le pays, qui seulement des capacités pour évoluer, pour le travail, pour le déplacer dans seulement 5 km, à savoir Pétionville, Palais National, Panthéon National, peut-être deux pénitenciers nationales. Donc, on va demander qui autorité, qui pouvoir on est consacré pour la nommer Moun. Et donc, si nous sommes capables de péter l'entrée du Jovenel Moïse, à faire nomination tribo babo. Deuxième considération que nous sommes capables de faire, donc, moi-même, je crois que nous sommes capables de mettre en question Claudie Gassin comme magistrat. Claudie Gassin comme mec qui fait son passage brillant de magistrature haïtienne, non? Qui était commissaire gouvernement, naturellement, que au terrain, mais qu'au patrimoine, mais cependant, qui était imprimé Marc-Li sous justice dans le pays d'Haïti. Donc, c'est pas un nègre qui corrompu. Et c'est pas un nègre comme si on était capable de dire que le pays a qu'à présenter comme corrompu. On est capable de dire arrogant, on est capable de dire impulsif, on est capable de dire conflictuel. Mais, on ne croit que personne n'est capable de mettre une étiquette corrompu sous position. Et c'est là tout le monde vient de poser. Comment qu'on y a, on est bien tout on est capable de dire qualité ça, yo. C'est-à-dire, on est qui pas gagné. Et mauvais passé dans la justice là, ou pas qu'à dire qu'on prend l'argent, comment qu'on y a maillage, c'est impossible. Entre un homme qui lui-même a une réputation d'honnête honnête au niveau justice là, avec un autre qui lui-même pays a et accusé comme doit-on supérieur, que pays a et pensait qu'à partir du rapport Petro-Caribe, du rapport coup des contrôles, non, c'était 69 fois mes rapports. Hein. Madame, justement, impliquée dans des malotes, comment qu'on y a maillage, c'est impossible, probablement. Non, un moment normal, côté que t'es gouvernement, côté que t'es gagné président, nous avons fait un débat sur ça, pour me connaître comment ils ont corrompu avec un nègre qui a une réputation comme un nègre honnête jusqu'à preuve du contraire, capable de collaborer. C'est l'autre, c'est soit Jovenel Moïse, à jeune garçon pour le David dans un nec honnête, ou un garçon à jeune Jovenel pour le nec qui malhonnête. Donc, moi, je crois que c'est des considérations qu'a fait. Bon, naturellement. Parce que tu as une installation qui t'est de fait jeudi, est-ce que vous confirmez que l'installation en fait est acceptée? Non, moi, pas au courant. D'accord. Si y a un monde qui t'a participé à l'installation, fait qu'on ait un problème, parce que le début fait à une heure. Ça veut dire que, j'en ai dit là, comment relation ça a fait possible? Et d'ailleurs, si je fais dans l'histoire, et tout le cas, c'est un homme qui était campé gommé pour Jovenel Moïse, pas installé comme président. D'ailleurs, il était dit clairement, après la sortie du rapport de l'UCREF, je crois qu'il parlait dans le micro, il parlait dans tout le micro du pays, pour dire que Jovenel Moïse est un inculpé. D'ailleurs, c'est les castes qui défendent des rapides que tout le monde, que Jovenel Moïse est un inculpé et qu'il ne pouvait pas prêter serment. Donc, je l'ai aujourd'hui à l'heure. Même Jovenel ça, nommé Gassin à la tête de ULCC, j'en dis là, c'est deux bagailles. Ce soir, Jovenel vient convertir de rejoindre Gassin, vient nommer Kounet, ou bien Gassin jeune. De toute façon, c'est l'histoire qui a été prouvée. S'il arrive à confirmer, l'histoire qui a confirmé, probablement, et même si Jovenel n'a pas grand pile encore pour faire ce pouvoir, probablement que nous ne devons pas de temps pour évaluer la capacité d'équation ça. Mais tout est-il, comme moi, je ça n'a pas de nous, ça n'a pas intéressé. Nous, en mode de la reprise de mobilisation, et c'est là nous allons aller jouer aujourd'hui. Bien. Maintenant, on a regardé nos questions mobilisation, puisque reprise de la mobilisation, de sa cap fête dans le pays, hein, de lever Campéo, et Golaïve lui-même n'est pas chômé, puisqu'il est toujours en branle,
mais gagné un commissaire gouvernement là avec mettons vingtaine de mandats et selon sa correspondance nous fait connait et donc commissaire l'Ottawa de trois monde photo qui t'a pas accueilli à l'aile, il t'a lancé une vingtaine de mandats. Comment nous même dans l'opposition nous comprenons ça? Attendez. Lors dans la période de fin du règne, lors de la situation que le président est pratiquement déplumé, il a perdu toute capacité de convocation, il a perdu toute légitimité, il a perdu tout un support de société à travers tous ses compartiments, eh bien, il n'y a pas de possibilité, non pour montrer qu'il existait, c'est vers la répression. D'ailleurs, si on a même pour un cas de l'arrestation de Arnel Bélisère, son véritable diversion, parce que nous songeons, il fait un temps, Arnel dit lui-même, il n'est pas d'accord pour Jovenel aller, mais le reste à tout, Arnel est toujours gagné dans les galions. Mais il se trouve que l'Arnel n'est pas d'accord pour Jovenel aller, Zamio est légal. Mais automatiquement, Arnel prend la recouille pour Jovenel démissionner, Zamio automatiquement vient tourner illégal. Et nous défendons une illustration. Je dis, il y a moi-même quoi problème des amis légaux posés dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, en tant que démocrate, nous-mêmes, nous condamnons la libre circulation des armes et nous condamnons que les citoyens aient promené tout côté avec les amis légaux dans le même. Mais cependant, je dis, nous face aux réalités. La réalité est que je dis, il y a problème des amis banalisés au même titre qu'il y a banalisé la vie, mais surtout la vie en catégorie de monde dans le pays. Donc je dis, sous campé soudainement là, après-midi avec 4 heures d'après-midi, ou bien le campé soudainement avec 4 heures d'après-midi, la police dit la fouille toute tête de blindé, tout prado blindé, tout zoé qui est blindé. Je vous le garantis, il est venu avec un bascule pour ramasser Galil, pour ramasser Massagaz, pour ramasser tout bagaille inégal que monsieur, monsieur qui dit c'est consul honoraire, monsieur dame qui dit business, monsieur dame qui fait amis pour voyou, mon fait acheter caillou, tout, parce que je dis. Jovenel gagne crédibilité, gagne moralité pour poser problème aux amis légaux. Et en plus de ça, si l'on prend et ça passé avec Fritz Jean-Louis, un conseiller, un émissaire de Jovenel Moïse, hein, qui recevra 3 balles dans le village de Dieu, qui ça le fait? Il va mentir dans la presse, il dit que c'est tir au tir sous les balles à la ville là, mais comment on a fait nos machines blindées pour prendre balle dans les épaules, pour un balle dans hanche, pour un balle dans rein? Donc, il est clair que nous allons négocier avec Tilapli, et bien Tilapli, négociation mal passée, Tilapli a mis 3 balles, et il dit Tilapli, l'autre ne va pas tuer monsieur, mais blesser, voler par le journal, le palais national. Ok, à savoir si, plusieurs précisions. Ma femme, on précise qu'à vous, émissaire, avec l'âge, avec Zamal Mekous, avec Bandi, et bien, qui est disqualifié pour mener lutte contre la situation des amis légales dans le pays. Alors, il y a un ami qui confirme pour moi, il dit que l'installation en fait, pour vider ça, le Willy Joseph. Il y a un autre ami qui voyait une information pour moi, même s'il va voir non lit. Il dit que il était là dans l'installation, installation en fait, ministre finance santé là, Yves Léonard était là, il dit IG PNH santé là. Donc ça veut dire que monsieur lui fait pas courir sa potille. Ça nous regarde, ça ne nous regarde pas. D'accord. On n'a pas la voix là, on est en pleine séance là, marché contre là, forum patriotique là, alternative consensuelle là, bloc démocratique là, sans conclave, nous, là, on a discuté, on a signé tout document. Demain, probablement, tu as sous son conférence de presse unitaire, hein, après l'accord de Mariotte, pour nous relancer la mobilisation, puisqu'on est à partir du 5. Et bien, toute l'opposition, et bien, la bonaïve. À ça de Volsi, bon, certainement, on est. Et ou même son acteur politique qui a suivre. Et c'est l'information que moi-même, j'ai de bonnes sources. Mais qu'on est en fait, Claudie Gasson, c'est des bons amis. Et du temps que lui était sous prival avec lui, etc., ou tu qu'on bénéficie en plus de protection pour lui-même. Je dis à lui installer, lui en tête de LCC. Excusez-moi. Et clarifier les positions, puisque tu parles de protection. Monde qui pose des protections parce que c'est un monde qui est illégal, qui est une mauvaise affaire. Non, attendez. C'est pas des amours? Non. Est-ce que. Assad, faut-il attendre. C'est pas. Non, sur l'échange que nous fait, m'a posé une question. Est-ce que c'est menti? Je ne veux pas prendre. Écoute. Est-ce que c'est menti que. Ou avec Claudie Gasson, pas de lui très bon rapport? Non, bonjour, monsieur. Voilà. Okay. Présent, comme vous avez problème à la question de protection, hein? Même qu'on est 11 amis, au nom de, oh. Du principe de la solidarité, nous tous protégeons l'autre. Assad. Au nom du principe de la solidarité, Assad,
Tandis. Si m'y a capoté, je vais capoter gel parce que nous pouvons ensemble. Non, ouais, garçon. Ouais, même avec monsieur politique, on va même côté jeudi. Même, je mettre même dans du feu jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Que garçon a protégé le monde, que ceux qui est légal, qui n'en a pas drôle. Assad, je vais clarifier, oui. Deux amis, au nom du principe de solidarité, ou qu'a protégé lui, li qu'a protégé ou. Maintenant, question maintenant. Zamou, bon Zamou, qui est de très bon rapport, je dis à qui, dans la tête de l'ULCC. Comment comprendre ça? Même ça, c'est pas position déjà rivale. Moi, je dis déjà que nous ne pouvons pas faire commentaire sur nomination Moïse Jovenel Abfait parce que. Nous sommes ceux qui sont nuls dans l'avenir. Et parce que Jovenel Moïse parle pour perdre du pouvoir. Et deuxièmement, moi j'ai déjà un chef d'État sous 27 500 km² et des même qu'à contrôler 6 km. C'est 7 km que nous contrôlons aujourd'hui. C'est Pèlerin à Paris National, Panthéon, probablement de mes pénitences nationales. Donc, qui pouvons être comme ça pour l'abdomen de monde? Ça, c'est une considération que je fais. Deuxième considération, je dis. Et Gaston est réputé pour être un homme honnête, capable d'appliquer la loi. On capable de dire monsieur, conflictuel, capable de dire arrogant, on capable de tout qualificatif qu'on veut. Mais cependant, comment on dit, on est qui est plutôt honnête, capable de collaborer avec on est que tout pays est connu que ce sont corrompus. Donc, moi, on dit, c'est l'histoire seulement. Qui est capable de monter ce qu'après le fait? Est-ce que ce Jovenel, qui est un garçon, l'habitude d'un monde honnête, ou bien est-ce que ce garçon qui parle joindre Jovenel et comme corrompu? Donc, c'est l'histoire qu'a prouvé, mais cependant, comme on n'a pas des histoires bien abjectes pour prouver un bagage comme ça, donc, nous dit, pour nous finir, ça ne nous regarde pas au niveau de l'opposition, que je ne nous dis, nous nous dis, nous nous dis, nous nous dis, mais en aucun cas, je vais mettre. Allô, Assad, on dit à bouger. Allô? Oui, on dit que, en aucun cas, allô? Oui, il était stable. Allô? Oui, il était stable. Bon, continue. Oui, on dit, en aucun cas, après toute considération que je me fais là, je n'ai pas besoin de mettre la crédibilité de Claude Gaston en question. C'est ça que je dis. Je suis bien aimé, ouais, Marianne Sakian, tu as le fait, entre les honnêtes, on encore en plus. Mais Assad, est-ce que vous pensez que Claude Gaston est aussi efficace et dans la fonction salariale là, et tant qu'il est efficace, du temps que le commissaire du gouvernement, son préval, et côté de très bonnes relations? Moi, ça fait un exercice là, oui, puisque René Préval pas de réputation corrompue, donc il était plus facile probablement de garçon à René Préval pour le travail. Et d'ailleurs, moi, songe, même le garçon t'a pas arrêté Brant, même Préval pas au courant, non? C'est tant de Préval de même avec tout le monde que Brant a arrêté. Oui. Donc, en tout cas, il fait un temps. Par contre, si le temps fait garçon t'a changé, mais c'est bon ça que je me déconne. Vous pensez, Gaston et après mal de manœuvre, bon, comme il n'y a pas de temps tout, pas de temps pour ça, et probablement, dans le cadre d'une transition sérieuse, et que le profil de Gaston est capable probablement de servir, mais, et mettez, on est qui a une réputation honnête, travaille avec un corrompu qui n'a tête en l'État, vous voyez que Jean Magaïsa aussi. Vous voyez que j'ai pour le faire bien. Mais Assad, qui dernière fois on parle à Claudie, politiquement, hein? Nous avons parlé quelques jours, mais nous avons probablement des divergences de vue et sont en train de questions, mais c'est un ami. C'est un ami. Bon, et écoutez, regardez-nous l'autre sens. Est-ce que vous pensez que maintenant, puisque c'est tout à l'heure de même dit, c'est un frère, dans le vrai sens du terme, par rapport avec l'expérience ou bien ensemble, Jean nous collaborer, nous nous connaissons que lien. Honnêtement, Assad, honnêtement, sans c'est pas politique, est-ce que ou pas pensez que. Si nous retournons dans l'histoire, par rapport à l'aller avec en Afrique du Sud, Mandela, qui lui-même a collaboré à deux mondes que personne n'a jamais imaginé, que le TK a collaboré. Et enfin, les bas résultats, les mettaient pays en sous-rail. Est-ce que vous ne pensez que, au-delà de difficultés qui viennent dans la justice, là, en dans le monde qui a le pouvoir, et façon de comprendre le pouvoir, qui qu'on empêcher un monde qui efficace remplit mission fait salta doué gain pour le fait, mais est-ce que là je dis hein, ou pas penser que avec un dépassement de soi maître Claude Gaston qui arrivé vraiment pour de vrai porter expérience li ça le connaît sérieux dans bataille qui gain là
et contribuer à combattre la corruption aujourd'hui, honnêtement, Assad. Attendez. Donc, le problème qui pose, campagne. On l'État, c'est une chaîne. On l'État, c'est un tout, c'est pas un homme. D'abord, pour combattre la corruption, il faut qu'il y ait une volonté politique pour combattre la corruption. C'est pas une volonté politique. On met le commissaire gouvernement, le ministre de justice qui est honnête là. Et le président lui-même, il est corrompu. Il y a un dossier pour protéger. Il y a un président qui a offert. On n'est pas capable d'avancer. Mon gars, je vais vous donner la soupe. Là pour me faire mettre page ça. Si vous êtes d'accord. Souhait, Claudie Gasson, il était moun que lié. Moun que lié. Parce que quelqu'un qui m'a dit, par contre, il change. Pas aucune possibilité, si Jovenel t'a quelque chose fait 2-3 mois toujours, pour Gasson pas démissionner. Ou mettre Samdoula, ou mettre Maquel côté Mdoula là. Maquel Samdoula, n'importe côté comme il va prendre 8 moins tout. Si Claudie Gasson n'a pas changé, ok? Je vous le garantis. Si Jovenel Moïse t'a quelque chose pour 2-3 mois, ce qui n'est pas sûr, Gasson pas de carité. Parce que, à moins que Gasson Kounia t'a entré une jeune Jovenel, ou le Jovenel qui t'a vu une jeune qui pense qu'il est possible, il t'a vu une Jovenel. Donc, même quoi que c'est extrêmement difficile. Et là, en Afrique du Sud, là où allons de l'autre côté, on est qui fait une équipe dans la prison, monsieur décide des fonds commission de vérité, monsieur a fait des déclats qui ont été scouté par la pays. Mais, écoutez, il n'a pas de corruption. Un chef d'État qui est mal trempé dans le dossier Petro-Caribé, l'agent pétro-haïtien, et qui a un rapport de la Cour des comptes, le plus grand tribunal administratif de mon pays, dans tout le pays du monde, je suis supposé démissionner, même pour son honneur et pour l'honneur de sa famille. Donc, soudain, entendez pas ça parce que son feuilleton, je regrette que je ne peux pas pour moi, parce que Jovenel Moïse va devoir partir. Et le pays a, tu comprends ça, Mabdila, et entre Mariaza, en Claudie Gasson, avec justement. Et Jovenel Moïse. Mais il y a un auditeur qui fait une remarque qui dit que c'est possible pour que Claudie Gasson, en fait, il trouvait que M. Claudie Gasson peut être trop pressé parce que la situation paraît un genre compliqué et bateau en sens a coulé, donc il n'est pas fini de bien comprendre. Et puis, il prend un exemple pour dire que c'est possible pour. On bien regarder, Maître Claudie Gasson passé comme PM Lapin, qui lui-même fait parcours dans l'administration, et puis M. Vin ministre, et puis finalement, M. Gaspillé, ça veut dire par rapport avec Jean Pouvoirier, donc mettre Gasson sur route pour le tag gaspiller au lieu pour le porter des solutions. Bon, enfin, Gasson, comme c'est pour être vu en auditeur. Hein? Le fait que Gasson a accepté le job, là, le gaspillé déjà. Il gaspille déjà, puisque. Comment ça fait comment vous guidez le pas la gueule comme ça. Attendez, le fait que les gaspillés, tout le monde, un, vous ne pouvez pas prendre une réputation honnête et vous mettez là avec un corrompu. C'est une qui doit jouer, que ce soit Gaspard ou jeune Jovenel comme corrompu, ou bien Jovenel ou jeune comme un qui a une réputation honnête. Non, mais on connaît que, écoutez, en politique, on va faire un jeu de mots là, on connaît que, et ça va poser un vrai problème dans la mesure où yon ta capable d'aider l'autre, et si ça qui est positif là lui-même, lui, permettre que moun qui était négatif là, si c'est mettre Claudie Gasson qui a aidé, on a dit Jovenel Moïse changé, bon, pourquoi pas? Non. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre un que ça à tout? S'il t'a aidé, monsieur changé, pourquoi pas? Tenez, son machine corrompue, pas Jovenel Moïse corrompu, non? Son machine, t'es quoi qu'on a droit, c'est même un mec qui était privilégié? T'es quoi qu'on est que n'est qu'à faire comme un zam, comme un balion, c'est le qui est pouvoir dans l'état, oui? Mais où qu'on est que n'est qu'à faire crime financier, c'est l'État qui va posséder une crime financier. Mais ou d'accord que son mélange qui a gagné dans quel que soit pouvoir pour le monter, c'est corrompu avec monde qui est moins corrompu. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à faire une sélection comme si Mdadou. Pour dire, tout le monde qui n'est pas corrompu vide là, nous allons faire un gouvernement, soit de transition ou bien dans l'élection, on connaît qu'il y a bon mélange, puisque. Bon. Camarade, on va mélanger bagaille. On va pas là du monde qui a patché. Je veux dire qu'il décapite ma mère, qui va étendre encore. Il n'y a pas qu'à la prendre le gâteau, tu finis tes les garçons. Mais ma parole. Vinedel, vine dans le coup de main. Non, mais ça c'est son. Ça c'est lui qui décide de aller ou bien parler. Ça va garder moi. Mais moi, je dis que pas. Écoutez, moi, mon sac de police m'a fait dire, c'est parce que Jovenel est sur le point de partir. Il partira bientôt. Et la presse, ça, parce que nous disons très clairement. On retourne dans la mobilisation, Kounia. Il n'y a pas question. Est-ce que mon calendrier qui j'en a fait, est-ce que mois décembre,
en haut pas monter, Timari pas monter, Timari pas descendre, tout le monde était la caillou, barricade montée, pas gagner à faire l'école comme si pas gagner circulation. Est-ce que c'est ça? Expliquez-nous bien. Tenez bien. Nous annoncer nous parlons de mobilisation. Et mobilisation, ça la prend toute forme pacifique, non violente, pour forcer Jovenel à démissionner. À partir de quelle date? À partir du 5, Nabou Naïf. 5 décembre là? Oui, 5 décembre. Toute l'opposition à Nabou Naïf, et depuis la veille, tout pays, toute région nord a pris Nabou Naïf, pour nous relancer mobilisation à l'approche de la célébration de l'indépendance d'Haïti. Parce qu'on est, il faut que nous préparions Nabou Naïf, parce que j'en ai dit déjà, il n'est pas question que Jovenel Moïse a souillé la mémoire de nos ancêtres au Gonaïs. Et ça, ça nous prévoit. Nous prévoit dans le calendrier en façon pour Timounio. A fait l'école, là, pas de sa même assad. Écoutez, je pense que le meilleur me pose des questions avec les Jovenel Moïse. Non, ça va m'a parlé pour l'instant. Dis-moi que j'en nous comprenons nous-mêmes. Est-ce que pour nous-mêmes, dans l'opposition, ça fait l'école, là, comme si Timoun qui parle l'école, est-ce que nous clair sur ça, pas de la sa pièce? Ça finit. Écoutez, moi je crois que. Yon qui a posé une question honnête, l'a demandé Jovenel Moïse qu'il ait l'école à population, même pas dans sa campagne pour me demander pouvoir. Je dis à la responsabilité de l'État, c'est d'assurer. On demande que, Raoul, comme sénateur. Bon, on pas de pouvoir. OK? C'est Jovenel Moïse pour poser question. Ça, on dit qu'il ait l'école à pouvoir. Oui, c'est mes questions pas honnêtes, Azad. Mon frère, Azad, Azad. Oui, c'est mes questions pas honnêtes. Azad, Azad. Est-ce qu'on est d'accord que m'a parlé avec Azad Volsi? Si je t'ai parlé avec Jovenel Moïse, je t'ai demandé président. Non, pas faire ça. C'est au cas de faire mobilisation. Est-ce que nous ne tenons compte de ça nous-mêmes? Est-ce que l'opposition ne tenons pas compte de ça? Si nous ne tenons compte de lui, nous disons non. Bonjour, Magaï et Capane. Bah, on réponse honnête, Kounia, ou même. Bah, on réponse honnête. Non, attendez. Je ne vais pas parler de. Je ne vais pas parler à vous personnellement. Je vais dire très clairement que si moi-même, comme journaliste, qui. Bagadien en retraite, mais qui t'a fait à la Gounia, nous t'a posé l'école ferme dans le pays. Nous t'a appelé le mec de l'opposition, nous demandé qu'il est l'école à ouvrir. Nous t'a appelé les Jovenel Moïse, les porte-parole du pouvoir pour me poser des questions. Ça parce que c'est un job ça. Je dis, pourquoi ça va nous bagarrer l'école? Donc ça n'a pas concerné l'opposition à faire l'école là lui-même. Attendez, nous va pour demander, nous va demander de fermer l'école, nous va demander d'ouvrir l'école, mais nous croyons que c'est anormal pour nous payer l'école pour qu'elle fonctionne. C'est anormal que le chef d'État n'a pas garanti qu'il y ait l'école dans notre pays. Et c'est pour ça que nous devons démissionner. Donc, nous ne pouvons pas demander l'école ni fermer, ni oui. Mais nous pouvons que l'école dans le pays. Est-ce que dans le cas aujourd'hui, à cette fois-ci, est-ce que ou quoi aujourd'hui, le peuple comprend que, au-delà de dérive, de désordre qu'a fait un pouvoir, ça, dans l'État, est-ce que, selon vous-même, le peuple comprend que c'est seulement Jovenel Moïse qui a empêché petit à l'école, ou bien nous-mêmes qui dans l'opposition, tout. Nous contribuons là-dedans, ça veut dire, et opposition et Jovenel Moïse, que c'est deux responsables que l'école va fonctionner. Est-ce que, d'après vous-même, le peuple a compris que c'est Jovenel Moïse seulement qui empêchait le peuple que Timounio à l'école? Est-ce que vous sentez-le comme ça? Aucun doit remettre ça dans la tête, peuple là. Mais peuple là, il attendait Jovenel Pacal, c'est Michel, Jovenel Pacal, machin des années. Peuple attendait Jovenel Pacal pour rouge. Peuple attendait Jovenel Pacal au cap haïtien. Le peuple attend le Jovenel, pas même Abkal Gonaïve. Le Jovenel dit à l'école, le peuple a dit c'est une bêtise la passe. C'est ça, oui, problème de confiance. Le chef d'État, même pour la parole nationale, faut le mettre machine de gratter. Faut le mettre Hugo, Simo, UGPN. Faut qu'un pile balle tiré. Et bien l'autre dit nous à l'école, nous dit oh, au président de Chablende, les gars blancs, il va prendre la réponse de mon école. Donc c'est à dire que le problème de confiance qui posait, je dis là au bout l'État, là le palais peuple n'a pas fait le crédit. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, et bien c'était pour conférence du parti de l'école pour l'ouvrir. Non, lundi, je l'école là. Et dans mon cas, le ministère là, qui avait rempli de formalités, qui était besoin de signature ministre. Je ne sais pas, non. Là, on est d'accord, Assad. Écoute, on est d'accord. Cette note question confiance, hein? Nous d'accord. Même pas le bon exemple avant. Lascaobas, l'école fonctionnait. Mais au balai, l'école pas fonctionné. D'après vous-même, c'est confiance, mon Lascaobas, gain un président qui fait l'école fonctionner, ou bien c'est parce que pas gain barricade, mon Lascaobas, gain bloqué qui fait l'école fonctionner. Bon, qui ça fait ça? Parce que Lascaobas, probablement, ne doit pas avoir aucun mouvement de protestation qui a fait la donne.
Mirbalet qui est dans le mouvement de protestation, mais encore c'est à l'État, même si c'est protestation, l'État est pour garantir sécurité moun. On pas dit le contraire, on pas dit le contraire. Mais c'est une façon pour montrer que cette question de aller l'école, pas aller l'école, n'est pas concerné seulement un président de la République, il concerne les gens qui sont en opposition tout à cette volte-ci. Bon, bonjour, question. Même t'as rien, comme si pour les États-Unis, t'as rien voulu pas l'école, pour t'as dit parce que manifestation. Même t'as rien que pendant gilet jaune dans la rue, pour pas l'école, pour dire gilet jaune, pour faire pas la rue. C'est irresponsable. C'est des irresponsables de ne plus demander mandat, hein, qui fait campagne. Qui dit qu'on met ça dans poche, comme dans poche, tu peux changer ça. Je dis qu'elle va pas mettre l'école dans le pays, elle va pas garantir qu'on est à l'école. Et puis, qu'on a fait moins l'opposition à demander qu'il est à l'école à l'ouvrir. Ah ben, dans le cas, ça est plus facile. Dans le cas, ça est. Les pibouis, en Haïti, l'on est à l'élection, il n'y a pas voté. Ou vient pas de pièce responsabilité, non? Bon, mais ça pouvait. Qu'on y a, dans l'opposition, vous voyez, puis je vais aller à l'école. Si c'est nous, on a demandé qu'il est à l'école à l'ouvrir, eh bien, donnez-nous le pouvoir. Non, écoutez, pas mandé pour le barou à Assad Gonza déjà. Prenez le pouvoir à Assad Gonza. Son figure. Ah, ok. Mais prends le pouvoir. Non, c'est ça que fait nous dire. Faut qu'on mette le journal à tête. Mm-hmm. Même le pays avec une conférence nationale pour poser problème pays. Comment faire nos pays pour tout le monde après l'école? Parce qu'on dit qu'ils ont corrompu. Et là, qu'ils ont corrompu, le peuple là, par exemple, était dans la caille, la porte, la rue, la manifester. Parce que nous ne sommes pas capables de criminaliser les droits. Nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit de protester. C'est aux dirigeants de garantir la paix, la sécurité des vies et des biens dans notre pays. C'est pas à l'opposition de poser ce genre de questions. Jovenel Moïse qui leur a bien l'école. C'est où qu'elle n'a pas l'air, qu'elle a touché, qu'elle a mangé, qu'elle a boué. C'est sécurité, c'est tout pays avec nos murs. C'est où qu'on n'est pas capable de garantir l'école. Ou pas qu'à garantir les business dans le pays. Ou pas qu'à garantir loisir dans le pays. Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est même jour où mes parents sont père de famille, oui. Lorsqu'on père de famille, ou bien madame petit, eh bien, souvent vous croyez tout, pas qu'il y a manger, pas qu'il y a boire, ou pas qu'il y a aucune obligation, donc il faut qu'on constate des chèques. Et puis, ou bien voisin, bon, backup. Voisin et d'où? Et puis, les voisins viennent d'où, pas qu'à plein d'où, non? Oui. Mais là, où passez de Dinabédi? Si nous t'a considéré comme voisin, qu'on avait dit. Bon, on garde un bail. Bon, ok, on quitte l'école là, qu'on y a. Mobilisation au print. M'pas qu'on est qui là. Est-ce que la font camper? Est-ce que Timounou a des possibilités pour parler avec Papa Noël? Question Noël là, Noël. Attendez. A des fêtes Noël? Écoutez. Dans un pays, qu'on est des dirigeants, faut de l'école, faut des fêtes de Noël, faut des fêtes de Pâques. Faut des fêtes de fin d'année, faut que si nous avons des possibilités. Entre des jours d'école et des jours de classe, il y a des possibilités pour nous distraire. Mais on nous paye aujourd'hui, hein, question soit posée à la, supposé journaliste, il n'y a pas même qu'à garantir. Comme moi-même, qu'on a au point, c'est moi-même qu'à garantir. Nous avons un exemple. Parce que je suis tout le monde a des journalistes, pas monter gaz. Puis il y a un pays à démission, non, monsieur, monter gaz à 99 de son galon gaz. Le pays a explosé. Et bien, qu'on y a là, et l'opposition fait. Tout un problème de dirigeants irresponsables qui ne prennent pas responsabilité. Yo. Et qui en même temps, quand on constate des chefs, on dit bon, moi, échoué dans sa dépense. Moi, pensez comme ça, quand je change ça. Moi, je ne suis pas capable de faire comme. Et bien, on a toujours des mouvements de perturbation. Alors que nous-mêmes, de l'opposition, ça n'a pas cherché. N'a pas cherché, justement, pour suspendre faire accommodement. N'a pas cherché, justement, pour suspendre patcher. Pour poser son nom. Jovenel aller. Pour une transition de rupture. Pour nous dire qui l'État nous voulait. Est-ce que nous voulons l'État corrompu ça ou bien nous voulons l'État qui travaille pour le bien-être de tout le pays? Qui l'école nous voulait? Est-ce que nous voulons l'école toujours pour. Quand il y a une minorité dans le pays depuis l'entrée de l'école, tout un visa pour la réussite. Et depuis le premier jour de l'école, il y a tout un visa pour le progrès. Alors que la majorité de l'école, depuis le jour de l'école, il y a tout condamné pour la mendicité et la délinquance. Mais est-ce que c'est l'école ça nous voulait? Il faudra poser problème ça en opposition. Qui justice nous voulait? Est-ce que le fait que aujourd'hui, nous sommes en opposition, si nous avons des armes de machine illégales, mais le fait que nous avons un pouvoir, des armes illégales, mais automatiquement, nous avons une immunité président qui semblait contagieux. Okay. Donc, mais l'État, ça vous a posé problème. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on va penser que gros problème, le fait que, parce que ce n'est pas toute l'école dans le pays qui peut fonctionner, qui a écouté le marché, par exemple, n'importe où, il y a l'école.
Tandis, gen l'école yo fait sans uniforme, moun yo ali en civil. Maintenant, question faite de Noël pour arriver, ou dit que c'est président qui est capable responsable ça. Mais est-ce que ou pas penser que même j'en ai question l'école là, parce que le timoun a sorti l'école, moun kap tiré au chou, si timoun prend coup de roche, etc. Donc gen de problème, gen de barricade, machine pas capable. Pour mener à l'école, il est obligé d'aller en civil. Maintenant, pour fête de Noël, comme si l'opposition n'a aucune responsabilité, comme si pour Timounio, tu as fêté fête de Noël, fête de fin d'année, comme si nous, libres de tout marquage, nous n'avons nous pas gagné un café même. Attendez, qui sont pensés ou suggérés de nous d'affaires? Nous n'avons pas de décret, nous n'avons pas de force expressive, non, mais nous n'avons pas capable de prendre une décision pour le pays. Hein? Alors que nous-mêmes, ça nous a fait, c'est souhaité que de Noël. Nous, force répressive qui fait l'école pas qu'à ouvert, c'est, nos camps, y'a nos oppositions, y'a monté barricade et demandé, y'a monté le bien haut. Force répressive, c'est là, lui. Bon, je pose une question. Est-ce que vous barricade? Comment? Barricade? Est-ce que vous barricade, Gounia? Qu'est-ce qu'il y a côté gain? Oui, attendez. À côté de la question barricade, qui était qu'à empêcher de venir dans l'école, mais. N'oubliez que l'école commence à fermer, il y a des crises gaz là, comment on ne peut pas faire ça? C'est pas barricade qui devait faire l'école d'abord, non? L'école commence à camper dans le pays, alors que la mauvaise gestion du pouvoir, c'est que le problème de gaz dans le pays. Nous pouvons changer ça. Qui a été goûté que tu as gagné dans le pays pour donner un petit bout de gaz? Donc je vous dis à la, on ne peut pas faire ça. Donc on a vu une greffe sur la crise gaz là, une mobilisation populaire. Qui vient des barricades, mais cependant, on est d'accord, c'est le barricade qui était campé, l'école a campé depuis sous crise gaz là. Je dis à nous-mêmes, nous dis, puis bon moyen, pour nous de redémarrer le pays, parce que Jovenel Moïse lui-même, c'est un irritant, c'est sous instabilité, je dis, que le démissionner pour lui permettre de payer à l'issue, parce que tout autant Jovenel là, pays ça pas jamais en paix, parce que lui pas capable de garantir la paix et la vie dans le pays ça. T'as on te pose une question. T'as demandé, malheureusement, pas fait expérience. Parce que je demande si je suis père de famille. Déjà, pourquoi? Mais où en tant que père de famille, là, si vous nous dites, papa, qui l'a pris à l'école? Donc, qui sont répondus? Ah, moi, je suis là, je suis là, depuis le premier. Ok? Je vais poser une question, je vais dire, entendre, là, on est assuré, ou à l'école, parce que je vais mettre la rue, pour ma galerie. Parce que la rue, pas que je ne contrôle, pas que l'État, pas que personne, pas que dirigeant. Ok. Kounia là, ça vient faire que Timoun yo vin ap gon éducation, j'en mi yo mi ba. Ça ka l'étranger yo même, y a l'école, mais ça ka Haïti a pas aller. Kounia là, y a vin chaque ap gon formation, ti jan. Mi yo mi ba. Tande mon frère. Kounia ni nou eni ou rival, an goumè pour notre société, pour suspendre mode dirigeant sa yo, qui vini seulement là pour piller pays ya, mais qui pas pensé à bénir communauté ya. Parce que ni nou eni ou, ni pas quoi que, de mémoire, alors seulement pour d'après coup d'État, l'école était fermée, nous voyons après avril, tout l'école était fermée, après temps de terre, l'école était fermée. Parce qu'aucun gros événement qui passe dans le pays, mais l'école fermée pour qui ça? Parce que nous, nous rendons compte que le président de la République lui-même, il n'a pas même des capacités pour déplacer dans le pays à la vague occupation, il n'a pas même, par exemple, quand l'on mestise Sacré-Cœur ou bien Seigneur, où nous parlons de l'eau sur l'île, ou sur l'île, pipi sur l'île, pour nous sentir que. Pas qu'il cherche de la cour, il y a un tacaillot. Mais en même temps, si là, il y a un brave danger pour la rue, eh bien, bon garanti, eh bien, c'est tant mieux. Tant que tu nous dis qu'à continuer à l'école, c'est tant mieux. Mais si là, il y a un peu que nos situations d'insécurité, même j'ai l'église catholique, il y a des conditions pour qu'on réunisse pour l'école, eh bien, c'est moi-même qui vous décide ça. Mais moi-même, je vais diriger Haïti, je vais dire que je vais l'école, parce que je n'ai aucune possibilité pour me garantir ni sécurité, vie, ni sécurité bien dans la rue. Ok. Bon, mobilisation, calendrier pour sortir, comment on a fait, qui côté, qui le cap bloqué. Donc, combien de temps nous baille là, combien de jours nous baille pour nous affronter, ravitailler, pour chercher Tibaye maintenant dans la caillou? Moi, je crois que nous avons ravitaillé longtemps. D'ailleurs, même nous avons ravitaillé, nous avons parlé de ce sur mobilisation, sur compte des barricades. Et en plus, vous voulez diviser tout ça, c'est comme si il y avait deux peuples, comme si nous avons manifesté, nous pas fait même. Parce que tout le monde qui veut qu'il le protège ça, tout quoi. Tout le monde dit que le président de la République, le président de la République, il n'y a pas de peuple en chance. Comme si nous, qui n'avons pas de peuple nous-mêmes.
Donc c'est en Afrique que je cherche eux. C'est en Europe que je cherche eux. Donc pas peuple. Non, pas peuple, là, sauf photo. Président prend l'onjan, opposition prend l'onjan, moun qui n'a silencieux prend l'autre gens. Ça veut dire, ouais, bah, peuple, en Haïti, il veut dire plusieurs bagages. Ça dépend de moun capitise. Bon, bon, les 1 million moun prend là, vous avez dans mon pays. Et du coup, on a dit, bah, peuple, en chance. Qui peuple? Donc, moun ça va échouer. Comme la société solaire, sur le bel, sur la Staline, que pas moun. C'est même ça, je vous dis, à vous prendre compte que, bon, discrimination qui a fait question, et la banalisation de la vie dans le pays d'Haïti. Je vous dis, à bon, banalisation criante de la vie. Mais plus grave toujours, c'est la banalisation de la vie de certaines catégories de notre pays. Tout le monde maintenant dit que le soleil n'est pas dédié parce que c'est chez eux. C'est bon débarras, en pile, la société a dit. Dans quel pays, vous avez vu 3-4 jeunes garçons mourir en Babal, Mariani, toute la société n'est pas accrochée. Dans quel pays, vous avez vu 75 jeunes mourir dans la saline pour ne pas créer un émoi, pour qu'ils soient connus. Parce que nous ne savons pas gagner, non. Au contraire. Bon débarras pour eux, alors que nous persuadons, et de monde dans le pays, si tête sont cassées, et de monde dans le pays, si on même vos bras cassés, tout le pays a crampé pour eux, parce que c'est parti de la classe. Et ça, c'est grave comme conception dans le pays. Et nous souhaitons qu'on le parle en Haïti, nous considérons le monde comme monde, parce que tout le monde fait 100 appels dans le venu, qu'on risque aux pauvres, qu'on noir, qu'on rouge, qu'on se tente, qu'on se tente. Et ça n'a pas parlé dans le pays, là. Je dis, il faut que nous dénoncions cette hypocrisie. Qui en même temps sont de criminaliser mon cap sur la rue pour défendre droit, pour dire non misère, il y en a grand goût, il y en a chômage, il y en a insécurité. En plus, si on veut faire passer comme quoi c'est pour le pays. Non, un dirigeant qui t'a fait campagne, qui t'il vient changer ça, qu'il assume les responsabilités, et comme il veut assumer les responsabilités, qu'il déménage, qu'il quitte le palais, et de toute façon, il va devoir quitter le palais. Merci en pile à cette volée.